Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Sur Romantin, déjà, je voulais beaucoup de vidéos sur TikTok et tu t'attendais à avoir beaucoup d'abonnés. Mais bon, les résultats n'ont pas été au rendez-vous. Dans cette vidéo, je vais te partager quoi? Je vais te partager 6 astuces, 6 bien sûr, 6 astuces qui vont t'aider vraiment à réussir sur TikTok. Très simplement, nous allons très très vite commencer cette vidéo. Donc, premièrement, je te dis c'est quoi? Il faut avoir un profil bien rempli. Un profil bien rempli, c'est quoi? Je m'explique. Premièrement, ton nom. Tu dois choisir un bon nom pour ton compte TikTok. Le nom, je te parle du nom. Pourquoi? Parce que le nom, c'est très très important. Par exemple, tu écris un nom qui est trop long et difficile à retenir. Comment ceux qui sont fans de ce que tu fais vont revenir chercher encore ton contenu si ils ne peuvent pas retenir le nom? Donc, moi, je te conseille d'écrire. Par exemple, moi, c'est Paul. Tu écris juste Paul ou bien quelque chose comme ça. Tu pourras chercher. Bon, si tu n'es pas viral, sûrement il y aura beaucoup de Paul. Donc, tu peux te trouver un nom. Quelque chose comme ça, par exemple, un nom comme Bernus. C'est un nom que beaucoup d'Africains n'utilisent pas trop, donc ça peut marcher. Premièrement, ça, et après tu décris dans... Il y a une partie pour se présenter là, on dit bio ou bien quoi. Là-bas, là, en même temps, tu écris le type de contenu que tu crées. Donc c'est très très important. En même temps que quelqu'un visite ton compte, il sait en même temps ce que tu fais. Et là, je sais que tu vas avoir des abonnés, tu ne vas plus chômer comme tu chômes déjà. On est ensemble. Numéro 2, il faut créer des contenus originaux et divertissants. Comment? Premièrement, originaux, il faut que tes vidéos soient différentes des autres. Par exemple, moi, si j'ai fait une vidéo, je danse comme ça, tu ne peux pas venir faire une vidéo, tu danses aussi comme ça, mais tu peux venir faire une vidéo où tu danses comme ça. Donc, c'est quelque chose comme ça. Un contenu original, un contenu qui est pour toi seulement. Donc, essaie de créer quelque chose, essaie d'imaginer de créer quelque chose. On parle de divertissement, toi, tu sais, quand les gens sont sur TikTok, c'est pour rire. Donc, tu dois faire des trucs qui font un peu rire et tout. Je pense que ça va marcher. Et donc, tu dois vraiment créer des contenus. Faut pas tricher pour les autres pour refaire, mais fais vraiment pour toi et je pense que tu vas réussir. On va passer très très rapidement au 3. Troisième, c'est quoi? C'est tout ce que je vous conseille souvent sur Facebook. Premièrement, je vous rappelle que nous avons des vidéos qui parlent de Facebook et de montage vidéo, de montage photo, qui ont leur lien dans la description. Donc vous allez dans la description, vous allez trouver le lien, vous cliquez sur le lien et en même temps vous tombez sur la vidéo, vous pouvez suivre et commencer par avoir beaucoup d'abonnés sur votre page Facebook gratuitement. Donc aujourd'hui, nous parlons de TikTok. Justement, numéro 3, c'est quoi? C'est être régulier. Sur Facebook, sur YouTube, moi là où je suis obligé d'être régulier, je publie régulièrement. Donc vous devez être régulier. Ça c'est très très important, je vous rappelle, vous devez être régulier. Vous devez publier à chaque temps. Sur TikTok, moi ce que je vous conseille tout simplement, fixez-vous l'objectif de publier une vidéo par jour. Ça va marcher pour vous. Et je vous rappelle, ce qui est en bas, ce qui suit, c'est très très important. Oui, vous avez vraiment aimé. Ok, nous allons passer très très rapidement aussi au numéro 4 pour ne pas trop perdre votre temps parce que vous devez aller bosser pour percer sur TikTok. Numéro 4, je suis que tu vois beaucoup de gens le faire, tu penses que c'est pour rien qu'ils le font, c'est quoi? C'est prendre part à des challenges. Tu dois prendre part à des challenges TikTok. À chaque temps on lance des challenges, tu penses que c'est pourquoi les gens profitent là-bas pour se faire des milliers d'abonnés et tout. Donc tu dois prendre part aux challenges TikTok, c'est très très important. Prends part aux challenges TikTok parce que vraiment tu vas te faire découvrir. Imaginez un challenge que... supposons qu'il est populaire, tu peux te trouver là. Par exemple, Arsène Méry lance un talent. Tu sais que lui, il a déjà beaucoup d'abonnés. C'est un humoriste connu, ou bien Jojo. Et le boss, c'est un tranquillin. Donc, il lance un talent. Donc, tu peux passer le talent, tu fais le talent en même temps. Parce que tu vas faire des vidéos, des duos avec lui. Tu imagines, la vidéo va aller loin et tu vas avoir beaucoup d'abonnés, beaucoup de likes et tout. Après, je vous ferai, si tu veux une vidéo, comment gagner, une vidéo, comment gagner de l'argent avec TikTok, tu me mets dans la description. Tu me mets en commentaire que tu veux la vidéo. Je ferai les recherches et je te ferai une vidéo vraiment qui va t'aider à avoir beaucoup d'argent avec TikTok. Ok, on va passer au numéro 5. Numéro 5, beaucoup le font déjà et toi tu dois le faire. Et moi-même je compte le faire avec ma chaîne YouTube. Parce que sur YouTube aussi, ça, c'est quoi? C'est organiser, faire de collaborer avec les autres TikTokers. Par exemple, tu fais TikTok, moi aussi je fais TikTok, tu fais ma pédé, on va collaborer ensemble, on va faire une vidéo ensemble. Supposons que moi je fais des vidéos de comédie. Moi, supposons que moi je suis Kabila, je viens le faire comme ça. Pour gagner mon argent, bien pour avoir des vues. Donc toi, qu'est-ce que tu vas faire? Peut-être que toi, tu viens, tu fais comme ça pour gagner pour toi. Donc, tout simplement, nous allons collaborer ensemble dans une vidéo, nous serons ensemble. Bon, peut-être que moi, je vais faire pour moi, toi aussi, tu vas faire pour toi. Et là, ça marche, le problème est fini. Donc, vous devez faire des collaborations. Ça fait moi aussi. Si notre a beaucoup d'abonnés plus que toi, ça va t'aider. Et aussi, si vous avez même abonné, ça peut marcher parce que tes abonnés aussi vont découvrir son compte et ses abonnés aussi vont découvrir ton compte. Et nous sommes à la fin de la vidéo. J'ai parlé de 6, mais j'ai fait 5, oui.
Je t'invite dans la deuxième partie de cette vidéo qui va aussi comporter 5 techniques. C'est complémentaire, donc tu ne dois pas rater. Ici, c'est la partie 1, donc je vais vous faire la partie 2 de la vidéo. Donc, tu ne dois pas rater la deuxième partie. C'est très, très important parce que tu dois persister tout forcément. Ciao, regarde les autres vidéos que je vais te présenter tout à l'heure.